reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sous-Parole. Que la paix Seigneur soit avec vous. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, vraiment, c'est terrible. Heureusement que ça a été filmé. Je vais tout vous montrer ici. Soyez prêts. C'est vraiment triste. Elles ont volé les bébés d'autrui, mais on les a attrapés. Il s'agit de deux femmes qui se sont permis de voler les bébés d'autres personnes. Non, c'est pas possible. Ce monde-ci. Comment c'est possible? Comment l'homme peut-il être méchant? 9 mois de quelqu'un. Attendez, venez voir ça. Parce que si vous ne montrez pas ça, hein. Non, c'est pas bon. Regardez ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Seigneur Jésus, regardez très bien. Ce que vous voyez le corps, c'est vraiment pas de la blague. Si ce n'avait pas été filmé, vous ne l'avez pas cru. Femme numéro 1, elle a volé un bébé qui appartient à une autre personne. Femme numéro 2, elle a volé aussi un autre bébé. Comment elle l'a attrapé là? C'est ce que vous allez voir ici. Mais vous serez surpris, hein, de couvrir dans quoi, hein, ces femmes-là ont mis le bébé. En fait, les bébés là. Hey, Seigneur! Mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes forts d'esprit pour voir ça. Parce que c'est du lourd. Regardez. Comme vous pouvez le voir, voici les gens ont attrapé ces deux femmes. Et les gens lui posent la question. Les gens posent la question à cette femme-là d'abord. Cette femme-là d'abord, il faut qu'elle nous réponde. Écoutez bien. Et lui pose la question, disent, madame, qu'est-ce que tu as dans ce sac? Et elle dit, c'est un bébé. Il dit, ah, c'est un bébé. Donc, ça veut dire que la femme, elle a volé le bébé de tout. Et elle a mis dans un sac. Eh, Seigneur. Regardez. Et c'est dans ce sac-là que vous voyez ici, là. C'est là-là que elle a mis bébé des gens, bébé d'autrui. Et elle dit, mais tu voulais partir avec où avec? Tu voulais partir où avec? Et elle dit que, oh, je voulais prendre ce sac, le bébé, aller remettre cela à ma tante. Tiens. Regardez. Bébé des gens, tu as mis ça dans un sac comme ça. Que chien. Regardez. Et on lui demande de montrer ce qui se trouve réellement dans ce sac. Et regardez. Elle fait sortir l'enfant là. Qu'est-ce qu'il y a dans un tissu blanc, bon, regardez. Et il dit, donc, madame, donc c'est ce que toi tu fais. Tu prends l'enfant des gens, et puis tu le mets dans un sac. Et voici l'autre femme là, sa collègue. Elle aussi, elle a fait la même chose. Regardez ce qu'elle tient dans la main. Bébé de tout, elle a mis ça dans le sac. Ah! Tchè! L'enfant est déjà pris le sac. Bébé de tout. Moi, je viens de voir ça. Je vous partage en même temps. C'est en train de tourner sur les réseaux sociaux. C'est venu jusqu'à moi. J'ai dit, mais what? L'homme est méchant où? L'homme est méchant. Est-ce que vous pensez que vous faites enfant là, c'est facile? Vous pensez que c'est facile de lancer rien? Est-ce que les vieux peuvent lancer rien? Est-ce que les vieux, les hommes âgés, les vieux qui ont 90 ans, ils peuvent lancer rien encore? Ne nous emmerdez pas ici, hein? Vous pensez que c'est facile?
La femme a porté 9 mois de grossesse. Et toi, tu vas venir juste prendre son enfant. Sans son consentement. Et mettre son enfant dans un sac. Alors qu'elle a acheté un trousseau, elle a acheté tout pour mettre son enfant, pour que son enfant soit à l'aise. Son enfant soit acclimatisé. Toi, tu prends son enfant pour aller mettre son enfant dans le chalet. Ma chérie, tu es méchante. Hein? Tiens. Regardez. Et ils lui disent, fais sortir l'enfant du sac. Waouh! Enfant clair en plus! Oh, enfant clair! Seigneur! Enfant joli! Maman, ce monde de triste, regardez! Qu'est-ce qui peut pousser deux femmes comme ça à aller faire un truc pareil? Ça, c'est une très belle question. Et les gens les ont attrapés. Elles ont volé les bébés d'autrui. Mais on les a attrapés. Je pense que ça se passe au Nigeria, puisqu'il parle un anglais du Nigeria. Les bébés là sont tous pleurés comme ça. Eh, c'est vrai. L'homme. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Et elle dit qu'elle prenait le bébé pour lui donner à sa tante. Pour lui donner à quelle tante? Et voici ce qui s'est passé dans cette localité. Et le monsieur nous explique que c'est ici que ça s'est passé, comme vous pouvez le voir. Il dit que voici la femme prend le bébé des gens, met ça dans le sac. Ça, c'est probablement pour aller les sacrifier. Et elle dit que vous allez voir ça avec son Nigeria. Voilà, il dit qu'elles vont donner leur tante. Il dit qu'en ce moment, il les a envoyés à la police. Voilà, elles sont à la police. Seigneur, elles sont maintenant entre les mains de la police. Ah! Quand vous regardez leur visage là-haut, dites-moi, est-ce que vous pensez que elles font ça depuis hier? Est-ce que vous pensez qu'elles font ça depuis hier? Regardez son visage. Vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que les amateurs, ben, elles devaient débuter dans le domaine? La maman, gardez bien vos bébés. Gardez bien vos bébés. Moi, je vous parle. Ouais, moi, je vous parle. Moi, dès que ma femme donne naissance, moi, mais ça, l'hôpital là-bas, on a calé Kanga. Je m'assois là-bas, il me popotipou là-bas. Mon bébé là, ici, là. Il bouge. En bougeant ensemble, je dis là. C'est comme si nous tous, nous deux, on fait des nettes. Il y a quoi? Ah ben ça, les trucs que je viens de voir. Il dit, tiens, c'est pas plomb. Hein? Moi, ma femme est enceinte. C'est qu'il y a 10 gars de corps autour. 10 gars de corps pour veiller sur mon enfant. Quel chat! Tu es guette à mon fils? Impossible. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Les mamans, faites attention quand même. Faites vraiment très attention. Bon, je vais dire même ça, même les mamans, elles viennent d'accoucher, elles sont fatiguées, vous voyez, non? Donc les maris, là, les maris, les enceintes. Faites votre job, hein? Vous avez fini de faire le job. Elle est enceinte, c'est bien, mais il faut continuer le job jusqu'à la fin. Vous avez vu ça, non? Si les gens de la localité n'ont pas été vigilants, qu'est-ce qui serait-il passé? Ce sont encore des enfants volés. Est-ce que vous imaginez combien d'enfants volés il y a dans chaque année? Allez faire des recherches, vous allez trouver. Mais vraiment, ça là, vraiment, c'est un truc de ouf. Sachant que nous sommes déjà à la fin de l'année.
Décembre est juste là devant là. Le diable a commencé à déjà faire son job. Soyez prudents. C'est quoi ça? Soyez prudents. Soyez vraiment très vigilants. Très vigilants. Les gens qui vous approchent, qui font semblant comme s'ils vous connaissent ou vous ont déjà vu quelque part, soyez prudents. Soyez très vigilants. Je vous donne une double option de vous. C'est parti. Ah, comme je vous l'ai dit, je viens de commencer le boulot. Hein. Hier, je me suis reposé un peu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos à faire. Que Dieu me donne la force. Hein. Regarde, priez pour moi. Hein. Priez pour moi. Et je vous remercie aussi pour les j'aime. Comme vous laissez les j'aime là, c'est chic. Hein. Ça montre que vous nous soutenez. Voilà. Ça fait plaisir. Donc, laissez des j'aime. Laissez beaucoup de j'aime. Mais ça là, c'est quoi? C'est dit que je n'aime pas, non? Quand vous laissez ça là, comment je me sens? Bon, comme il n'y a pas aussi beaucoup de ça. Donc, il y a fait comment? Ça là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup de ça là. Donc, dominez. Dominez toutes les personnes qui laissent les dislikes. Dominez-les par les j'aime, ok? On est ensemble. C'est pas du prochain de. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo, c'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir Yasuo Bond, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Yasuo Bond 3. Application sur bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir. Il y a sur bonne, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.